Le kaolin, de l'argile, mais beaucoup consommé au Lualaba, en majorité par les femmes, surtout celles enceintes, pour plusieurs motivations parfois inexplicables. Mais certains hommes aussi trouvent du plaisir dans cette matière et ça donne à cœur joie. Si je suis enceinte, je mange les kaolins, je me sens soulagée. Le goût du kaolin me fait du bien. Certains consommateurs restent conscients du danger couru, alors que d'autres consomment les kaolins en toute inconscience. Je sais seulement si la femme accouche, il y a des kaolins qui sortent avant l'enfant. Le kaolin provoque les kystes. Pour le docteur Nathan Kanamungi, médecin coordonnateur provincial de la santé en charge de la reproduction au Lualaba, le kaolin peut entraîner des graves conséquences sur la santé humaine. La femme enceinte, elle a besoin de beaucoup manger. Quand une femme enceinte consomme le kaolin, ça diminue l'appétit. Il y a des vers intestinaux qui peuvent interférer avec la santé de la femme enceinte. Si elle arrive à la maternité pour l'accouchement, un taux bas d'hémoglobine, il suffit qu'elle perde une certaine quantité de sang. Avec cette faible quantité d'hémoglobine, ça peut avoir une conséquence néfaste sur la santé de cette femme enceinte. Si une personne n'est pas enceinte, les jeunes filles qui consomment le kaolin, les mêmes conséquences que je venais d'énumérer ici par rapport à la femme enceinte, ces conséquences peuvent aussi arriver chez une jeune fille qui consomme le kaolin. Depuis un temps, la consommation du kaolin est devenue presque une mode au Lualaba.